Tienes que cultivar el fuego que tienes dentro y estar siempre en contacto contigo mismo. Ese fuego tiene que estar siempre ardiendo y uno viene con él también. Unos lo desarrollan, otros no. Mantener ese fuego es mi fuente también de alegría. Est-ce qu'il y a un âge pour être influenceur? En tout cas, les réseaux sociaux ne sont clairement pas réservés à la Gen Z ou aux millennials, à en croire les Grandfluencers. Oui, Grandfluencers ou Grandfluenceurs en français. Ce mot vient de la contraction de Granny ou Grandpa, qui veut dire grand-mère ou grand-père en français, et le mot influenceur. Et il fait référence aux seniors qui amassent des centaines de milliers, voire des millions de followers sur les réseaux sociaux, alors qu'Internet n'existait même pas quand ils sont nés. Aux États-Unis, vous avez les Old Gays, une communauté de papy gays de Californie devenus de vraies stars de TikTok. Ou encore, à New York, Iris Apfel, une icône de la mode à 100 ans passés. Mais en Europe aussi, on a nos Grandfluencers. J'ai voulu les rencontrer pour savoir ce qui les pousse à se jeter dans l'arène numérique, alors que moi, je serais terrifiée de faire comme eux. J'ai d'abord retrouvé Sacramento Amante, alias Miss Papelicos, à Malaga, en Espagne. Cette prof d'espagnol retraitée qui n'a pas voulu me dire son âge a lancé son blog de mode vintage en 2009 avant de se lancer sur les réseaux, encouragée par ses filles. Aujourd'hui, elle cumule plus de 480 000 followers sur Instagram et TikTok où elle partage des looks chaque fois plus extravagants. Et même si elle a les codes de l'influence, elle se filme à l'ancienne. Pas de smartphone, mais un appareil numérique, une valeur sûre selon elle. Le pongo una esponja de maquillaje. Y así se queda a la altura que quiero. So that's where you film your videos. Normalmente aquí porque por la luz también es más pequeño y puedo mostrar la ropa. Disfruto todo el proceso. Desde el momento en que lo pienso ya estoy disfrutando. A veces lo dibujo en un libro. En una libreta, en un cuaderno, de ahí mis papelicos, siempre papeles, papeles. Dibujo lo que pienso que puede ir bien. Camisa blanca romántica sobre cancán, pajarita escocesa, sobre el tul, una falda blanca plisada. Ah, lo lleva Kim Kardashian, me lo pongo yo. Jamás, antes muerta. No, no. Un proceso bonito. Sé que el día que voy a grabar es como un día especial. Entonces me pinto, me maquillo y empiezo a hacer el vídeo. Pour Sacramento, le style est réellement une manière de montrer qui elle est. En dehors de ses vêtements, l'élément le plus reconnaissable de son look, c'est sa coupe de cheveux. Elle m'a raconté qu'elle s'est rasée la tête par confort pour ne pas avoir à trouver de coiffure au moment de l'hospitalisation d'un membre proche de sa famille. No sabía qué hacer, nunca he sido muy buena con el pelo. Así es que de pronto tuve la visión de unir el punk rock con los años 40, 50. Me fui a una peluquería y le dije, rápame, rápame. Unas sombreras para darle hombros a estas piernas y en la mano mi bolso avión. Me sorprende cuando me hablan por la calle porque me parece que es como un personaje que no tiene nada que ver conmigo. Me sorprende que sea yo. ¿Quién yo? ¿Me puedo hacer una foto contigo? Y digo, ¿conmigo por qué? Y digo, oh, sí. La verdad es que me alegra mucho porque anima a gente también a atreverse, a hacer cosas que le gustan. Cuando estaba trabajando como profesora que no me gustaba, hice lo mejor que pude. Pero era un trabajo para comer. Mi pasión siempre era vestir. Cuando llegó un momento en que tuve un problema con el corazón, por las clases, mucha presión y no me gustaba, entonces tuve la decisión de estar más en contacto conmigo misma y más hacer lo que a mí me interesaba. Les fripes, ça a été une révélation pour Sacramento. C'est ce qui lui a permis de trouver sa passion et de la transmettre à ses followers. Fui a trabajar a Inglaterra. Hice un intercambio para dar clases de español y en un instituto de inglés de niñas, de chicas, de sombrerito, de uniforme. Y allí encontré que había tiendas de segunda mano. Eso no lo había visto yo jamás. Y pensar que podía encontrar ropa, rescatarla por £1 o 50 peniques, o... se abrió otro mundo. It is important for you to have clothes that create emotions for... Sí. Para mí es fundamental que cuando me pongo algo me sienta feliz. No me pongo esto porque se lleva, porque es la moda o porque... sino que me pongo algo y tiene que decir ¡guau! Yeah. Esa sensación de ¡guau! Me atrevo a todo. Eso es lo que tiene que hacer la ropa. La ropa te tiene que servir para abrir camino. Creo yo. Cette passion, elle l'a surtout transmise à sa fille Rebecca, qui est aujourd'hui designer de mode et artiste. Rebecca es mi hija, mi hermana, mi amiga, mi... Pero vaya, sí, sí. Y nos comprendemos muy bien, también nos peleamos, pero nos comprendemos muy bien. Claro, claro. A sangre. A sangre. Y entonces, esto te lo vas a poner... Que, por ejemplo, puedes hacer esto, ¿no? No. Lo es divertido también. O sea, pros y contras del aro. ¿Pero tú cómo te sientes de que yo te admire a ti? Yo, incrédula. No, creo que es normal, soy tu madre. Lo que hace es único y, de hecho, te diría que es muy importante lo que tú haces. Pues qué ilusión, la verdad, porque sabes que lo hago desde el corazón y porque... Claro, por eso te lo digo, sí, sí. Por eso. Si no, no lo digo, si no diría jajaja, no. Tienes que empezar por ti, quererte, gustarte, aceptar lo que tienes y partir de donde eres. Si eres bajito, si eres alto, si eres gordo, no importa, empieza con lo que tienes. A uno le gustaría tener un castillo, un palacio, un yate, pues tiene solamente una casita pequeña, empieza ahí. Entonces empieza, pero empieza hoy. ¡Qué campeona, por favor! Por favor. Pour faire de la grandfluence, c'est comme pour tout influenceur. Pas forcément besoin de mettre en scène une passion en particulier, vous avez soit besoin d'une bonne idée ou d'un grain de folie pour captiver les gens, ou les deux. Jane, alias The Devon Maid sur TikTok et Instagram, a 65 ans et plus d'1 million de followers, toutes plateformes confondues. Sa marque de fabrique sur les réseaux sociaux, des vidéos déjantées où elle imagine la démarche d'objets inanimés qui, a priori, ne marchent pas. Elle s'est approprié tous les codes de TikTok avec des vidéos sans queue ni tête, mais toujours un soupçon de chaos. Et ça marche. Elle a même été approchée par des marques de spaghettis pour leur faire des contenus sponsorisés. Je voulais savoir comment se passe une journée type quand on est grandfluencer, alors je lui ai demandé de me faire un vlog. Hi Tracks! This is some of the meme faces I pull when I'm making my walking videos. So we'll start off with the hobnob biscuit. And a lemon. Roast potato. Mac and cheese. Bacon. Why do I do them? Because they add a bit more character, they're a bit more fun, and people enjoy them. It adds a bit more to the video. There. Hey! And it's the right way. Yes, perfect. Well, you're always going to get your trolls that say, oh, you know, I get them all the time. Like, oh, you should be in a care home and things like that. And I thought, well, it's 65, you know, I'm not going to be in a care home. And I think they forget that they're going to be older one day, you know? Yeah. And does it mean life stops at a certain age, you know, that you can't do something, at, you know, when you reach 30 or something? But they're young kids, most of them, aren't they? You know, or they're just ignorant, you know? Well, this is a room where it all happens. This is where I do mainly my walking videos. So this is my front room. This front room is known all over the world because I've had quite a lot of viral videos, actually. Yeah, a lot of them, especially on my walking ones. By the time I'm like 75, I'll be even more well-known, probably more popular. I think the older I get, the more popular I get. It said, I didn't have the confidence to make a video or anything, but I've watched you and it's given me the confidence to do that. That's younger people. So they probably watched me and thought, well, if she can do it, I can do it, you know? There is a market for older influencers, which is good, isn't it? Hi, everybody. I've done something really, really stupid. I had a text message this morning saying my parcel was going to be delivered between 1:20 and 2:20. It's going to be quite heavy and I'm not going to be in because I'm doing a day in the life for tracks. So anyway, I had four options to reschedule and I chose option 4 to reschedule in 2 working days. This is an automated service. I text back, thank you. I mean, who actually messages and text backs on an automated service, thank you. Please tell me if anybody else has done this. Are you all as silly as me? I would say to anybody, just go out there and have a bit of fun, you know? You only live once. Life isn't a rehearsal. You can't come back. Well, you might do, but who knows? I don't know if you do. That's true. And do you have any last words? What, you sound like I'm dying. No. Don't. Hold on. Okay. Make sure it's on low. Si Jade produit elle-même ses vidéos, Michel, lui, est bien entouré. Ce bijoutier de Rouen de 75 ans a mené la plus grande partie de sa vie loin des réseaux sociaux, jusqu'à croiser le chemin de Martin, un étudiant en école de commerce. C'est grâce à lui qu'il est devenu Papy Mich en ligne, un créateur spécialiste en montres qui fait des lives tous les soirs de la semaine pour présenter ses produits. Aujourd'hui, Papy Mich a monté sa propre équipe constituée de son épouse Coralie et de sa fille Jade et est suivi par plus de 210 000 followers sur TikTok. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Ajar, enchanté. Michel. Bonjour les TikTokers. Bonsoir les TikTokers. Bonsoir les TikTokers. Bonsoir à tous, on est sur TikTok Coralie B76, montre depuis 2002. Ici, pas de copie, pas de contrefaçon. Avis aux amateurs et aux professionnels, bien entendu. Ici, ce soir, regardez, on a une équipe de Arte Tracks, ici. Salut les amis. Donc, on va reprendre le système de la vente. Ici, on ne vous videra pas les poches avec des montres à 2, 3, 4 000 euros. On vous laisse vos économies pour pouvoir vous installer. Un jour, je demande à ma mère, qu'est-ce que ça te fait d'être âgé? Elle me dit, moi, rien. C'est les autres qui me voient âgé. Beaucoup de gens, dans les seniors, se laissent aller dans une condition comme il y a une trentaine, quarantaine d'années. Ils ont vu leurs grands-parents, ils ont vu leurs parents vieillir, mais on n'est pas obligé de rentrer dans ce système. On va la poster juste comme ça, on ne sait jamais. On va la poster si ça t'intéresse. Des fois, je traîne un peu la patte, je dis « Ah, j'ai pas envie trop d'y aller ». Et un peu des fois, un peu même le trac d'y aller. Pourquoi leur raconter tous les soirs la même chose? Parler, c'est une chose, mais être compris, c'est encore une deuxième chose. Est-ce que vraiment il y a un essentiel dans le discours, à part vendre des montres? Et là, j'ai mon épouse ou ma fille, elle me dit « Mais on t'attend, ils t'attendent ». C'est cette force, quand des gens vous attendent, je veux dire, vous ne pouvez pas faire défaut. Et voici la gagnante de notre concours. Elle est ici, elle vient la chercher. C'est une Rouennaise. Michel m'a expliqué que les réseaux sociaux ont aussi été une façon pour lui de faire face au déclin progressif des commerces dans les centres-villes, alors que de plus en plus de personnes font leurs achats en ligne. C'était une façon de continuer à faire connaître sa boutique, tout en intéressant un public plus large à son travail de bijoutier. S'il n'y avait pas eu le phénomène des réseaux pour moi, eh bien, je faisais comme pas mal d'amis autour de moi. Dans mon quartier, il y a à peu près 7-8 personnes qui sont parties. Pas à la retraite, à 5 ans, 7 ans, 11 ans, 12 ans de la retraite. Donc, pour moi, ça n'a pas été un second souffle. Ça a été un souffle qui a continué à fonctionner. Et c'est là où, je veux dire, ben, je ne me suis pas accroché, mais je suis rentré dedans vraiment avec une volonté totale, parce que au lieu de me noyer, eh bien, on me lançait une bouée. Coucou Jade. C'est intéressant que les personnes âgées puissent venir nous rejoindre pour vraiment que ça représente en fait l'intégralité de la population. Donc ça permet de ramener de la clientèle qu'on n'avait pas avant et qu'on n'avait pas l'occasion d'avoir parce qu'ils ne nous connaissaient pas tout simplement. Elle parle très bien. Hein. Oui. Et puis elle a dit mon papa. C'est bien la fille de son papa. Donc elle m'a un peu émue. Je crois qu'elle s'est impliquée notamment, hormis son travail, pour me faire durer dans ce parcours. Quand elle est arrivée, j'étais perdue. Sans elle, je ne pourrais pas gérer ce système. C'est vrai qu'avant les réseaux sociaux, on passait un peu moins de temps ensemble parce que bah, je faisais mes études et je rentrais au week-end à la maison, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. On a une très grosse raison dans notre famille, moi, mon épouse et Jade, et son frère qui a 16 ans, à continuer à se porter les uns les autres. Désolée. Ma voix est un peu émue parce qu'on a eu un gros choc dans notre famille et du coup, elle est là pour nous aider. On va pas se voiler la face. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent ni utiliser les réseaux sociaux ni Internet et qui sont donc laissées pour compte. Mais si je suis allée voir les Grandfluencers, ce n'est pas seulement parce qu'ils vont à l'encontre du cliché selon lequel les personnes âgées ne savent pas utiliser la technologie. Je pense vraiment qu'on a quelque chose à apprendre de leur vision de l'influence. Ils ne cherchent pas l'approbation de leur communauté à tout prix, ils font ce qui leur passe par la tête et avant tout, ils s'amusent. Ce que j'ai retenu de mes rencontres, c'est surtout ça. Peu importe notre âge, on a le droit d'avoir une passion, de la vivre pleinement et surtout jusqu'au bout. Ça veut dire quoi l'âge ? Tant qu'on est debout, qu'on n'est pas malade, qu'on est en fonction, ben on peut être très présent partout, sur tous les secteurs. I think society is now looking and challenging itself, isn't thinking, well, this isn't wrong, you can't just put that in that corner and that in that corner, you know? I do believe there's a market for everybody and anybody can do anything. Me encantaría que la edad no fuese nunca un tema, igual que en muchas otras situaciones como la sexualidad de una persona, si es alta, si es gorda, si es baja. No es un tema que interfiera en lo que tiene que aportar a la sociedad.